Depuis plus de 10 ans, le photographe burkinabé Warren Saré parcourt le continent à la recherche d'anciens soldats africains, dits tirailleurs sénégalais, des deuxièmes guerres d'Indochine et d'Algérie. Prises de vue photographiques et entretiens vidéo sont organisés pour chacun d'eux et capitalisés dans son projet La Dernière Carte. Au début, je faisais l'enregistrement audio. Et à un moment, j'ai intégré la vidéo pour que les témoignages soient aussi vivants, pour qu'on le voie parler toujours. Dans le cadre de son projet, Warren Saré a parcouru jusque-là 6 pays africains, à savoir le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Mali. Il a ainsi pu réaliser 200 portraits tirés de plus de 20 000 clichés d'anciens combattants, y compris des Français. De sa rencontre avec ces derniers, il retient bien plus que de la fierté. Il est possible que nous puissions faire quelque chose en tant que photographe africain. Il est possible qu'avec le peu de moyens que nous gagnons dans nos reportages, baptêmes et cérémonies, que nous avons des initiatives pour développer notre art. Le photographe n'en est pas à sa première initiative. En 2011, il avait organisé une caravane ouest-africaine qui a réuni une vingtaine de spécialistes africains du domaine sur plusieurs projets. Pour la suite, il nourrit l'ambition de construire un musée de reconnaissance en hommage aux anciens combattants.